Ah, Thibaut, bah, nous d'un point de vue neutre, on va dire on a vu une belle rencontre. On a l'impression que Tubize en voulait peut-être un peu plus aujourd'hui. Je pense que ce que vous dites est vrai. On a manqué ce petit truc aujourd'hui que eux ils avaient et nous on n'avait pas. Et voilà, aujourd'hui ça fait la grande différence. Ils ont réussi à prendre 3 points. Nous, ne serait-ce qu'un point quand on est un peu moins bien. Pourquoi pas, on aurait, je pense que ce soir, à un quart d'heure de la fin, on aurait signé pour un point. Voilà, ce soir, ils ont eu ce petit truc que nous, d'habitude, on a, ou qu'un coup on l'a, un coup on l'a pas. Voilà, c'est ce qui fait un peu notre problème cette année, c'est qu'on est trop irrégulier. On voit des grands matchs, comme on peut voir des non-matchs comme aujourd'hui, enfin des non-matchs, des matchs moins achevés que d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une déception. La difficulté pour l'Union, c'est peut-être justement le fait qu'il faut changer régulièrement, hein, parce qu'il y avait des blessés au début du match. Dans le cours de match aussi, vous perdez un ou deux joueurs sur blessure. C'est pas évident ça non plus. Oui, c'est sûr que depuis le début d'année, on arrive tant bien que mal à former un 11 de départ. C'est sûr que c'est pas évident. Le coach doit composer avec beaucoup de problèmes. Bon, maintenant, malheureusement, on est un petit peu habitué à ce genre de pépins. Voilà, il nous manque 4-5 joueurs qui seraient des titulaires indiscutables dans notre équipe. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut faire avec. On a une profondeur de banc. Certes, elle est ce qu'elle est, mais il faut que les joueurs se mettent au niveau. Aujourd'hui, je pense que quand même, mis à part la défaite, il y a eu d'au moins une deuxième mi-temps qui était un peu plus intéressante que la première. Et voilà, le scénario n'est pas favorable pour l'Union. Et voilà, on va essayer de se relever le plus vite possible, mais compliqué. J'allais vous dire, le premier quart d'heure était pas mal, hein, parce qu'au début de match, l'Union était dedans et puis Tubize est rentré tout doucement. Oui, c'est un peu l'histoire de notre année, hein. En tout cas de notre début d'année, on entame très très bien les rencontres. C'est une grande qualité de faire ça, on essaye de mettre la pression d'entrée sur l'adversaire, c'est ce qu'on a fait, on a réussi à marquer un début de rencontre, un super but. Voilà, c'est derrière, on n'a pas su tenir, Tubize en a voulu, voilà, on sent qu'eux, ils avaient vraiment à cœur de gagner aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous, voilà, on n'a pas su rester du moins invaincus, voilà, j'ai envie de dire, si on ne pouvait pas gagner, il ne fallait pas perdre aujourd'hui. Mathias, wat een wedstrijd, wat een echte derby eigenlijk, hè? Ja, ik denk dat er veel duels waren. Een heel moeilijke wedstrijd, denk ik, voor ons. Veel wissels in de ploeg. En ja, we moeten daar wel elke week mee omgaan. En we zien dat we moeilijk gevoetbald hebben vandaag. Had dat te maken met die vele afwezigen, die vele geblesseerden en dus het gebrek aan automatisme eigenlijk? Ja, ik denk dat... Een groot deel aan dat ligt, maar ja, je kunt niet zeggen, iedereen kan voetballen en je moet daarmee kunnen omgaan. Maar ik denk ook dat we weer vandaag veel ongeluk hebben. Want met het tweede doelpunt, ja, de bal gaat er eigenlijk naast en Gert-Jan raakt hem en hij gaat hem binnen. Ja, dat is pech, maar over de wedstrijd gezien mag je toch wel stellen dat Tubeke de betere ploeg was, de meeste kansen had in deze wedstrijd. Hè? Voetballend gezien zou ik niet zeggen betere ploeg. Ik denk dat ze gewoon steviger stonden in duellen. Ze gingen er meer voor. En ja, uiteindelijk kregen ze dan meer kansen. Maar ik denk dat ze voetballend niet zoveel beter waren dan ons. Hoe zit het met jouw positie in de ploeg eigenlijk? Nu is op de flank, dan is centraal, dan is op de 10, dan is op de 8. Wat is nu eigenlijk jouw favoriete positie? Ja, voor mij is het gemakkelijker als ik in het middenveld mag spelen, maar... Ja, nu begint het echt wat moeilijk te worden als ik zo elke week van positie word gewisseld. Maar ik heb het al veel keer gezegd tegen jullie collega's. Ik moet daarmee kunnen omgaan. En als ik op veld sta, moet ik gewoon 100% geven. Maar het begint wel een beetje ambetant te worden om zo elke week van positie te worden gewisseld. Dat kan ik me voorstellen. De volgende twee wedstrijden gaat Union scherprechter zijn in de strijd om de eerste periode. Met wedstrijden tegen zowel Leuven als Beerschot-Wilrijk. Dat is ook wel een leuke rol, hè? Ja, maar ik denk dat voor ons elke wedstrijd belangrijk is. Het belangrijkste is voor ons dat we in die eerste vier geraken. En ik denk dat ja, nu staan we 3 punten achter op 3, denk ik, op Roeselare. En nu wordt het weer wat moeilijk en ja, we laten Tubeke er terug een beetje in geloven. En ja, dat is wel spijtig. En ja, natuurlijk dat die twee volgende wedstrijden voor ons leuke wedstrijden gaan zijn, maar we moeten ook absoluut winnen. En, dus zijn ja, heel belangrijk voor ons ook. Marc, ben oui, c'est une petite déception aujourd'hui, surtout sur la première mi-temps. Oui, je veux dire que cette première mi-temps, c'est peut-être une des rares fois où l'équipe m'a déçu cette saison. Je n'ai pas du tout apprécié, je dirais, les attitudes en général. Nous avons été, il faut le reconnaître, battus dans la détermination, dans l'agressivité, saine agressivité au niveau de l'impact dans les duels. À partir de là, ça devient compliqué et je trouve que
On s'en sort relativement bien à la mi-temps en ayant concédé, en arrivant quand même encore mené au score et à concéder ce match nul. Donc on n'a pas été, assez présent athlétiquement et physiquement que pour pouvoir revendiquer plus. Aujourd'hui, un point aurait été, on va dire, suffisant au vu de la rencontre. Oui, certainement. Ça, c'est un peu un des problèmes de l'Union cette saison-ci. C'est que ce soit, il y a d'autres matchs, je pense particulièrement à Roulers, où on peut dire, oui, malgré tout, on a un point, donc gardons ce point. Mais évidemment, cet autobut a détruit un peu toutes nos intentions. Même si je pense qu'en deuxième mi-temps, si nous avions été plus précis au niveau technique, au niveau passing, au niveau dans les 16 mètres, au niveau des choix aussi. Parfois la finition, une superbe action là avec Fixel qui frappe avec beaucoup de puissance au but. Je pense qu'un petit ballon placé aurait été suffisant. Donc on a manqué offensivement de maîtrise, mais là aussi c'est un péché que nous avons difficile à corriger depuis le début de saison. Le point positif, peut-être, c'est le match de Ferber, qui on voit, monte en puissance. Garçon à qui il a fallu du temps avant de se remettre de sa blessure. Oui, absolument. J'ai trouvé beaucoup de bonnes choses dans son match et beaucoup d'abnégation. Très bons appels vers l'avant. En première mi-temps, nous avons été dans la reconversion offensive beaucoup trop lent, faute de quoi nous aurions pu trouver des solutions proposées notamment par Ferber. Et là, on a très mal négocié ces situations. Je trouve que Roman est en train de prouver que c'est effectivement un bon attaquant et que ça va devenir un pion important pour notre équipe. Maintenant, c'est les retours qu'il faut, hein, des garçons comme Tabekou, Louvumbu, peut-être Diallo encore, et avec deux matchs qui s'annoncent ici, vous allez un peu jouer, on va dire, l'arbitre dans cette fin de première tranche. Oui, il est indéniable que, qu'on le veuille ou non, et je ne cherche pas d'excuses parce que ça fait partie du jeu, tous ces problèmes que nous connaissons depuis le début de saison portent préjudice à la progression collective. Dans ce genre de match, qu'est-ce qui est clair ? C'est que nous manquons d'impact et nous manquons au niveau de la récupération du ballon dans ce milieu de terrain de joueurs qui sont de vrais récupérateurs comme Jordan Lay. Oudrey fait une bonne rentrée, il faut lui laisser le temps de gagner des matchs parce que ça peut être, c'est une solution, c'est un bon joueur qui va nous apporter quelque chose, mais aujourd'hui il doit jouer l'entièreté du match, ce qui n'est pas normal. Il aurait fallu que je puisse rectifier et modifier et amener autre chose, mais bon, nous n'avons pas de solution et c'est clair que les retours des uns et des autres, je pense à un garçon comme Diallo, parce qu'il a une mentalité, un esprit de guerrier, et c'est un peu ce qui manque dans cette équipe, je pense. Oui, on aime bien faire de belles choses, on aime bien tenter de belles actions, on aime bien les beaux gestes, mais ce qui est important, c'est de faire la différence.